Bonjour à tous. Je suis donc Marguerite Espada du pôle FME de VRMS et j'ai le plaisir de vous présenter donc cette année avec Alexandre Bizien et Jordi Gibert les nouveautés de FME 2022. Alors, je rappelle que FME est une plateforme d'intégration de données composée de différents éléments. Le FME Desktop, espace de conception de nos projets FME. FME Server, espace de publication de nos projets et de supervision des projets qui sont publiés. FME Cloud, qui va nous permettre de déployer des traitements FME Server sur le cloud hébergé par Safe Software. Et ce dispositif est complété par FME Mobile, autrement dit deux applications. FME Data Express, qui va vous permettre de déployer là encore des traitements FME Server sur vos téléphones, sur votre smartphone et vos tablettes. Et la solution FME Air pour l'application de réalité augmentée de FME. Alors, cette année, on a décidé de ne pas vous parler d'une thématique en particulier. Je vais donc procéder plutôt classiquement. Je vais commencer par vous présenter les nouvelles fonctionnalités du desktop qui nous ont paru fort intéressantes. Ensuite, avec Jordi, on vous présentera les nouveaux transformers. Je vous parlerai ensuite des nouveaux formats. Et puis, je laisserai la main à Alexandre Bizien qui vous parlera des nouveautés FME Server 2022. Alors, en termes de nouvelles fonctionnalités, première grande fonctionnalité qui nous paraît particulièrement intéressante, d'autant qu'elle émane d'une demande de la communauté, donc qui a été émise par la communauté FME sur le site FME Community, qui a été prise en compte par les équipes de Safe et développée. Elle nous paraît fort intéressante car elle amorce le travail participatif, collaboratif entre des développeurs FME dans une équipe de travail. Il s'agit de la comparaison et de la fusion de projets. Le principe est simple, on va comparer des projets entre eux pour essayer d'identifier les deltas qui se seraient opérés par ce travail collaboratif. Et puis après analyse, on va pouvoir choisir de les fusionner ou pas. Donc on va comparer deux projets, essayer d'analyser quels sont les éléments qui ont été ajoutés, de ceux qui ont été modifiés, de ceux qui ont été supprimés. Et ensuite, on va choisir au cas par cas de les fusionner. Donc je vais vous montrer un petit exemple. Voici ici un projet très simple conçu par mes soins. C'est une analyse spatiale. Et puis, mon chef de service, Jordi Gibert, a également travaillé sur ce projet. Il a créé son propre projet à partir du mien et il l'a enregistré, nommé avec une extension, je crois, qui s'appelle Jordi. Donc, grâce au menu affichage, avec l'option fenêtre, je vais pouvoir ouvrir la fenêtre de comparaison et de fusion de traitement. Ceci me permet donc d'aller ouvrir le projet de Jordi. Donc, je vais aller chercher le projet de Jordi, donc il s'appelle Comparaison, Prévention, Inondation Jordi. En ouvrant ici ce projet, voilà comment s'organise mon workbench. En haut de la fenêtre, on analyse mon projet initial. Et puis, en bas de la fenêtre, je vois le projet de Jordi agrémenté de toutes les modifications qui ont été opérées. Sur la droite, j'accède à un panneau, le panneau des différences, le panneau des deltas. Donc là, je peux faire différentes choses. Première chose, je peux filtrer, trier les différences par type de composant. Comment dit, je peux avoir un prisme par composant. Je peux analyser les transformers qui ont été modifiés, les types, les entrées, les sorties des transformers, les connexions, les readers, les writers, etc., etc. Dans cet exemple, je vais choisir de les afficher par type de modification. Donc, je vais avoir un prisme pour essayer d'analyser les éléments qui ont été ajoutés, ceux qui vont apparaître en vert, ceux qui ont été modifiés, qui vont apparaître en jaune, et ceux qui ont été supprimés entre les deux versions, qui vont apparaître en rouge. Ici, dans cet exemple, j'ai un total de 10 deltas, de 10 différences. Je vais donc procéder à l'analyse de ces différences. Je vais commencer par les éléments ajoutés. Donc, je vais cocher tous ceux qui sont en vert, les éléments ajoutés. Vous voyez, les projets sont synchronisés. Et je vais m'attarder sur le projet de Jordi. Ici, je vois que l'attribut manager, il apparaît en vert. Donc, il a été ajouté par rapport à mon projet initial. Si j'analyse les éléments supprimés, ceux qui sont en rouge, je vois ici que le string concatenator et le string cache changer apparaissent en rouge. Donc, ils ont été supprimés dans la version de Jordi. Je vais commencer mon analyse. Donc, je vais commencer simplement par regarder ce qu'a fait Jordi dans l'attribut manager. Et là, je vois, si je regarde, qu'il a procédé au travail de concaténation et de changement de case directement dans l'attribut manager. Là où moi, initialement, j'employais deux transformers distincts, le string concatenator et le string case changer. La proposition, la modification apportée par Jordi me semble pertinente. Il emploie un transformer là où j'en utilisais deux. Je vais donc choisir de fusionner les propositions de Jordi. Autrement dit, de rapatrier ces modifications dans mon projet initial. Je vais donc choisir les éléments ajoutés
c'est-à-dire l'attribut de manager, ainsi que les connexions en amont et en aval du transformer. Idem pour les éléments supprimés. Je sélectionne donc tous les éléments supprimés, string concatenator, string cachageur, et l'ensemble des connexions. Et puis, je vais choisir tout simplement de les fusionner. Donc, est-ce que je veux les fusionner? Oui, je veux les fusionner. Et de la sorte, j'ai rapatrié dans mon projet les modifications, l'ajout de l'attribut manager. En ce qui concerne les modifications, eh bien, c'est le même travail, hein. Je vais me positionner donc dans les éléments modifiés. Et là, je vois que j'ai deux transformers qui ont été modifiés entre les deux versions, Feature Reader et le Buffer. Donc, je vais pouvoir me centrer, par exemple, sur le Buffer. Et là, j'accède à une fenêtre qui va me permettre de visualiser hein, des deux côtés le paramétrage des deux buffers. Dans ma version initiale, c'est celle qui apparaît à gauche, je vois que j'emploie une largeur de zone tampon de 70 unités terrain. Là où Jordi, lui, en travaillait avec une zone tampon de 75. Là encore, le travail de Jordi me semble pertinent. Je vais donc fusionner le buffer, la modification apportée dans le buffer. Je la fusionne et je l'intègre dans mon projet initial. Donc voilà ce qu'il faut retenir en termes de comparaison et de fusion de projet. On amorce vraiment ce travail collaboratif. Donc c'est quand même plutôt une nouveauté assez intéressante. Deuxième fonctionnalité, alors c'est peut-être pas une fonctionnalité, c'est un changement au niveau de l'interface. Elle concerne la fenêtre de log, puisqu'elle a été complètement revue avec une organisation tabulaire. Désormais, hein, les informations sont représentées sous forme de colonnes, avec une colonne particulièrement intéressante, c'est la colonne des transformers. Donc je vais pouvoir tout de suite visualiser hein, ce que font les transformers, ce que fait chaque transformer, quels sont tous les algorithmes opérés par les transformers. Et qui plus est, cette fenêtre de log, elle est synchronisée avec le projet principal. Donc ça va m'aider notamment quand j'ai un pépin, quand j'ai un projet qui plante ou j'ai une alerte qui est émise, je vais tout de suite pouvoir visualiser le transformer qui pose souci et tout de suite mon projet va être centré dessus. Donc je vais comme ça tout de suite pouvoir intervenir sur le transformer, modifier sa configuration pour que le traitement puisse s'exécuter correctement. Autre fonctionnalité, alors encore de l'ordre de l'interface, il s'agit cette fois-ci de la page d'accueil. La page d'accueil a été revue puisqu'on accède maintenant, enfin on a accès, on voit l'intégralité des projets qui ont été dernièrement ouverts ou conçus. Donc on a un accès au projet qui a été vraiment facilité. Et puis je vais pouvoir faire plein de petits tris différents. Je vais pouvoir trier ces projets soit par nom, hein, tout à fait classiquement, également par type. Je vais pouvoir choisir d'afficher que mes projets, mes FMW, mais éventuellement n'afficher que mes FMWT. Je vais avoir la possibilité de taguer certains projets, autrement dit de les cocher, de les marquer comme favoris pour faciliter leur accès. Je vais pouvoir les trier par date d'ouverture. Et puis aussi, en passant la souris sur le nom d'un projet, je vais pouvoir avoir un aperçu du projet. Alors, ça peut être utile hein, quand parfois on oublie un petit peu comment on a nommé nos projets. Bon, ben, c'est une façon hein, que de repérer hein, visuellement, ah oui, c'est bien mon bon projet et je peux l'ouvrir. Donc, on accède plus facilement à nos projets favoris. Alors, chaque année, à chaque build, à chaque version, les équipes de Safe ont quand même un souci majeur qui est de nous faire gagner en performance, donc en temps d'exécution, mais également en temps de conception. Dans cette logique a été développée, ou du moins intégrée, une nouvelle fonctionnalité qui concerne l'écriture en base de données. Jusqu'à présent, alors pour l'instant, on travaille. Enfin, cette fonctionnalité est disponible pour le format PostgreSQL, PostGIS, SQL, Spatialite. Mais cette fonctionnalité a pour vocation à s'étendre à d'autres formats de base de données. Jusqu'à présent, quand nous voulions travailler dans une base PostgreSQL, PostGIS, par exemple, nous disposions de trois opérations, de trois méthodes de chargement, autrement dit, de trois commandes SQL. La commande insert, qui permettait d'insérer de nouveaux enregistrements dans une table. La commande update, qui permettait de mettre à jour des enregistrements déjà existants dans une table. Et puis, la commande delay, qui permettait de supprimer des enregistrements dans une table. Avec FME 2022, on dispose désormais d'un quatrième mode, d'une quatrième méthode, autrement dit, d'une quatrième commande SQL, c'est la commande upsert. C'est vraiment l'abréviation hein, du mot update et insert, et le principe, ben, là encore, il est très simple. Si l'entité existe déjà, alors je fais de la mise à jour. En revanche, si elle n'existe pas, alors je vais faire de l'insertion. Cette fonctionnalité, elle va nous permettre de gagner en temps de conception. Pourquoi ? Puisqu'on va s'affranchir, nous développeurs FME, de la phase de comparaison, d'analyse de la présence ou pas de l'entité en base de données, dans la table. Alors là encore, je vais vous montrer
un petit exemple. Alors, je vais fermer ce projet, je vais aller l'ouvrir, je vais aller le chercher ici. Donc, voici un projet qui concerne des antennes relais dans la ville de Paris. Un premier chargement a été opéré en 2021. Il s'agit donc des antennes. On avait fait un premier chargement d'un fichier CSV vers une base de données PostgreSQL. Et puis, nous avons les données des antennes en 2022 et nous souhaitons mettre à jour la table dans notre base de données. Jusqu'à présent, on était obligé de faire un premier travail qui était de distinguer quelles sont les entités, dans cet exemple, les antennes, qui sont déjà présentes dans la base, auquel cas on les aurait modifiées. Et si elles ne sont pas présentes, on les insère. On utilisait régulièrement, et c'était le bon transformer, le change detector pour cela. Le change detector, il nous permet de comparer le fichier 2021 avec le fichier, enfin la base, la table 2021 avec le fichier 2022. Si je l'exécute, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va ventiler mes entités. Dans cet exemple, il s'agit de mes antennes. Alors, si le projet veut bien marcher, il va les ventiler, les répartir dans trois ports de sortie. Le port updated, qui a pour vocation d'être connecté, qui a toujours pour vocation d'ailleurs d'être connecté à un vecteur PostGIS et donc avec une méthode de chargement de mise à jour. Autrement dit, la commande update. Le port insert, donc les entités non présentes dans mon fichier 2022, et donc on allait les connecter au writer avec pour méthode de chargement de l'insertion. Dans cet exemple, je n'ai pas d'antenne à supprimer, donc aucune entité ne sort par ce port. On avait une méthode alternative qui nous évitait d'employer plusieurs writers avec différentes méthodes de chargement, qui était de passer par le petit attribut FME DB Operation, calculé automatiquement par le Change Detector, et qui nous permettait de taguer pour chaque entité un nouvel attribut, donc FME DB Operation était créé et qui stockait la commande SQL à opérer. Évidemment, ça s'est ouvert sur mon deuxième écran, mais là, pour chaque antenne, maintenant, je sais l'opération, la commande SQL à opérer. Et donc, on pouvait, au lieu d'employer plusieurs writers, on pouvait utiliser qu'un seul writer, et au lieu d'appeler différentes méthodes de chargement, on appelait le FME DB Operation. Donc, ça fonctionne très bien, c'était tout à fait efficace, mais en 2022, ce travail-là, l'emploi du Change Detector ne va plus être nécessaire. Uniquement lorsqu'on va travailler sur de l'insertion et de la mise à jour. Pourquoi? Parce que ce travail-là n'est plus nécessaire grâce à la nouvelle commande. Donc, dans le writer PostGIS, on a désormais la commande upsert qui va faire pour nous ce travail-là. Donc, évidemment, on va gagner en temps de conception. On n'a plus l'emploi du change detector qui va être nécessaire. Toujours dans un souci de performance, je vais vous parler du bulk mode. Donc, le bulk mode, c'est une technologie propre à Say Software qui a pour objet de traiter les entités par lot pour gagner en performance. Donc, ce sont des entités de même structure. On appelle ça aussi le traitement par lot, le traitement par paquet. Vous devez déjà connaître le bulk attribute renamer, le bulk attribute remover qui bénéficient déjà de cette technologie-là. Sachez aujourd'hui que cette techno a été étendue à plus de 300 transformers. Ce sont les transformers qui aujourd'hui sont basés sur du Python, mais le but, c'est de l'étendre à l'intégralité de tous nos transformers. Donc, ce volume à peu près de 500 transformers vont bénéficier de cette nouvelle technologie. Alors, pour vous, rien à faire, c'est complètement natif à FME 2022, aucune option, mais vous allez bénéficier de ce traitement par paquet qui va sacrément améliorer les performances de vos traitements. Alors, avant de commencer, je vous propose de participer à un petit sondage. Voilà, merci Alexandre. Donc Alexandre vous propose de répondre à la question suivante. Quelle version de FME utilisez-vous? Est-ce que vous travaillez avec un FME en 64 bits? Est-ce que vous travaillez avec un FME en 32 bits ou est-ce que vous ne savez pas? Alors, pourquoi on vous propose ce sondage? Parce que les équipes de Safe ont annoncé la fin du support de FME desktop et FME serveur en 32 bits. Alors, ça va avoir des conséquences, évidemment. Sachez tout de même que des correctifs limités, jugés nécessaires, vont être proposés par les équipes de Safe, et ce, jusqu'en mars 2026. Mais ça peut avoir des conséquences pour certains d'entre vous, pour ceux qui travaillent, je pense, par exemple, avec des solutions ArcMap, ou ceux qui travaillent avec des bases de données Oracle, avec des clients installés en 32 bits. Donc, ça peut avoir des conséquences. Donc, on vous propose, bien entendu, on ne va pas vous abandonner, on vous propose de vous rapprocher de notre service, soit commercial, soit du support, pour faire avec vous le diagnostic.
voir si dans quelle mesure on peut migrer de solutions. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à nous contacter, ça sera avec plaisir qu'on vous accompagnera. Alors, Alexandre, est-ce que tu pourrais nous afficher le résultat de ce sondage ? Alors déjà, merci à tous d'avoir répondu. Alors, vous êtes donc 76% à travailler actuellement avec du 64 bits, donc pour vous, pas de souci. Et malheureusement, vous êtes 10% encore à être encore sur du FME 32 bits. Donc, je m'adresse particulièrement à vous. Hein. Donc là, encore une fois, je répète, je vous propose de nous contacter. Hein. On va vraiment faire le diagnostic de votre infrastructure et on va vous accompagner au mieux dans une migration ou pas. Et puis, il y a 14% d'entre vous qui ne savent pas comment, sur quelle version FME vous êtes. Là aussi, hein, n'hésitez pas à nous contacter, on vous accompagnera pour identifier votre version et vous accompagner si migration est nécessaire. FME 2022, c'est bien entendu de nouveaux transformeurs. Alors, premier transformeur qui nous paraît fort intéressant, c'est le Solid Dissolver. Alors, je crois qu'il était disponible sur le hub les années passées sous forme de package, me semble-t-il. Il est désormais natif. Le Solid Dissolver, ben, comme son nom l'indique, il va nous permettre de dissoudre des solides entre eux. Autrement dit, il va nous permettre de supprimer hein, des frontières, des limites communes entre solides pour pouvoir créer un solide, un unique solide. Sa configuration est méga simple puisqu'elle se rapproche totalement, intégralement du dissolver qui nous permettait de faire ce même travail hein, sur des entités 2D, avec un travail de fusion attributaire tout à fait classique, la possibilité de créer des listes hein, pour enrichir le travail de la dissolution, hein, enrichir vos attributs, donc aucune difficulté. Safe annonce là encore des gains de performance, qui peut être un peu étrange, en tout cas des gains de performance par rapport aux méthodes alternatives qui existaient au préalable. Avant, on avait souvent toute une séquence de transformeurs qui nous permettaient de faire ce travail-là, on pouvait utiliser des clippers, on pouvait utiliser des transformeurs dédiés au CSG, plein de méthodes. Donc évidemment, là, on n'a plus qu'un seul transformeur. Donc là, encore une fois, le travail va être simplifié et on va gagner en temps de conception. Deux autres transformeurs particulièrement intéressants, Schema Scanner, qui va vous permettre de générer des entités de type schéma utile lorsqu'on ne connaît pas le schéma ou qu'on va travailler sur des projets dynamiques, et le QGIS Printer, qui est un transformeur personnalisé développé par nos soins. Mais je vais laisser ben, le soin à Jordi Gibert de vous les présenter et de vous faire une petite démo. C'est à toi, Jordi. Très bien, merci Margot. Bonjour à toutes et à tous. Donc, on voulait vous présenter plus en détail le transformer Schema Scanner, qui nous paraît très intéressant. Et c'est un transformer qui permet l'extraction du schéma de données qu'on traite à n'importe quelle étape, à quel stade de traitement. D'accord. Jusqu'à présent, il y avait un transformer personnalisé qui avait été développé par Safe, mais qui était uniquement un transformer personnalisé, qui s'appelait Schema Setter, qui faisait un peu la même action, mais aujourd'hui, de façon officielle, il y a Schema Scanner qui est apparu, donc il est un peu développé et avec un paramétrage qui est mieux adapté. Alors, tout d'abord, pour bien vous montrer ce qui fait ces transformers, allons voir ce que c'est qu'un schéma. D'accord? Un schéma, en fait, il va nous définir les caractéristiques d'un jeu de données. D'accord? Donc, un jeu de données, il peut être composé de différentes couches et chacune des couches peut avoir un certain nombre d'attributs. Et bien sûr, un jeu de données peut avoir une géométrie ou pas. Donc, les types de géométrie aussi, ça va être un des caractéristiques du jeu de données. Alors, ces schémas-là, donc, les schémas scanners, les schémas, donc, il va définir les noms et les types d'entités qui les composent. Également, pour chaque type d'entité ou couche, on va savoir un nom et type d'attribut. Donc, il peut avoir des attributs numériques ou des attributs de type string. Et bien sûr, aussi des types de géométrie. Alors, jusqu'à présent, cette extraction des schémas, on pouvait déjà la réaliser. Donc, on pouvait utiliser les readers de type schéma pour extraire le schéma d'une donnée existante, d'un fichier existant ou d'une base de données existante. Également, on pouvait utiliser feature reader pour extraire les schémas. Et aujourd'hui, on a en plus la possibilité d'utiliser schéma scanner que le véritable point fort, c'est qu'on peut l'extraire à n'importe quel stade de traitement. Donc, avec le reader schéma, effectivement, reader, c'est une donnée qui est existante, mais schéma scanner nous permet l'extraction de ces schémas une fois on a déjà modifié une donnée. D'accord? Alors,
Sur FME, à quoi ça ressemble un schéma? Sur FME, les schémas, il extrait de forme d'une liste, d'accord? Une liste qui s'appelle attribut, on peut la visualiser ici. Et cette liste, il va avoir trois attributs. Donc, premier attribut, c'est name, ça va être le nom de l'attribut. Et on va avoir aussi la native data type qui va nous indiquer le type de données dans le format source. Et ensuite, FME data type qui nous indique l'interprétation du format de données que FME a fait. D'accord? Donc, si on voit ici, par exemple, un exemple d'un schéma, ici, on a lu une donnée que c'est le département de France, donc couche qui s'appelle DPT 2020, donc on trouve bien le nom de la couche. Ensuite, on retrouve tous les détails de tous les attributs, donc on retrouve un premier attribut, code département, code DEP, qui est à l'origine de par char2 et par FME, c'est interprété de la même façon. Et ici, on trouve nom DEP, code DREC, donc on va trouver tous les attributs qui sont listés. Et ensuite, on va trouver aussi FME géométrie qui va nous indiquer que cette donnée est de type surface. Donc, finalement, cet schéma qu'on a extrait, on va pouvoir l'utiliser, nous, pour écrire la donnée. D'accord? De façon dynamique, on va pouvoir récupérer un schéma et l'utiliser pour définir les structures de nos données qu'on va lire. Alors, on va, pour voir ça plus clairement, on va voir un exemple. Alors, j'ai ici un traitement que j'ai déjà exécuté pour ne pas faire attendre le temps d'exécution. Donc, tout d'abord, on va voir comment réaliser l'extraction d'un schéma jusqu'à présent. Donc, comme j'ai dit, un schéma reader. Donc, on avait toujours la possibilité de faire un reader de type schéma. Donc, ici, je faisais schéma uniforme. Ça me permet d'ouvrir n'importe quel format de données et d'extraire les schémas. Alors, les résultats, donc, c'est celui qu'on a vu. Donc, ici, il a détecté que j'ai un shapefile, donc le nom de la couche, c'est DPT 2020. Donc, le nom de la couche, c'est DPT 2020. Et en effet, ici, dans l'information de l'entité, j'y trouve les détails de la liste attribut et aussi les types de géométrie et les nombres de la couche. Donc, ça avec le reader. Avec feature reader, c'est le même type d'opération. Donc, je vais lire une donnée et les schémas associés à cette donnée. Donc, d'un côté, par un port, j'ai toute la donnée que je peux voir ici, le département, avec les attributs qui caractérisent le département, et un port schéma qui me permet de récupérer la même information qu'on a vue dans le reader schéma. Alors, aujourd'hui, avec schéma scanner, comme j'ai dit, on peut récupérer les schémas avec n'importe quel stade de traitement. Ici, par exemple, j'ai lu la même donnée et je veux ensuite calculer une surface. D'accord? J'appelle les areas et ensuite j'ai créé un champ qui s'appelle densité. Le souci qu'on a avec l'utilisation ancienne, c'est que ces deux attributs que j'ai créés ici, ils ne sont pas dans la donnée source, donc je ne l'ai pas en sortie de mon port schéma. Aujourd'hui, avec schéma scanner, je peux lire les données à cette stade-là de traitement et dans la sortie schéma, je trouve bien les champs de densité et area. Donc, c'est ça l'avantage. Ensuite, je peux, les schémas que j'ai lu ici, je peux l'utiliser pour l'écriture. Donc, automatiquement extraire les schémas et l'envoyer dans mon. Alors, un cas d'utilisation de ce schéma, c'est pour rendre dynamique nos traitements. Encore deux fois, on fait des traitements où on ne peut pas connaître à l'avance les types d'attributs. Donc, schéma scanner nous permet l'extraction et les déduire en cours des traitements. Notamment, ce problème, on pouvait le rencontrer quand on récupère des données d'un service web. Ici, dans ce traitement, par exemple, on récupère la donnée sur le chantier de la ville de Paris. Donc, en fait, avec un STP call, on requête à l'API et on récupère un JSON que par la suite, on va découper. Et qu'est-ce qui se passait? Donc, jusqu'à présent, une fois on avait traité notre JSON, on était obligé à passer par un attribut exposer pour récupérer les attributs. Donc, on était obligé toujours à faire une liste en dur des attributs qu'on voulait récupérer. Par la suite, dans mon writer, je pouvais choisir les modes manuels ou automatiques et également, j'étais obligé à rentrer une liste d'attributs. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que si un jour,
la donnée qui est disponible dans les sites, les services web change, le nom d'un attribut change, par exemple, je suis obligé à revenir sur mon traitement et modifier dans l'attribut exposer le nom de mon attribut. Alors, comment on peut opérer aujourd'hui? Donc aujourd'hui, juste à la sortie de mon genome fragmenter, j'ai plus besoin d'utiliser l'attribut exposer car je peux extraire mon schéma. D'accord? Donc ici, même si les attributs ne sont pas exposés, je peux trouver la liste de ces attributs. Donc ici, je trouve catégorie chantier, l'idée de chantier, donc toute la série d'attributs de la donnée. Et ensuite, dans mon writer, je peux l'utiliser en forme dynamique. Donc, je ne suis plus en mode automatique ou manuel, sinon en mode dynamique. Je n'ai pas besoin de spécifier la liste d'attributs ici. Ce que je vais faire, c'est que dans la définition du writer, je vais choisir les schémas dynamiques et donc utiliser les schémas de la première entité. Ensuite, avec un attribut, je veux choisir un attribut qui me permet de faire les liens entre les schémas et la donnée. Schéma scanner, si j'ai fait attention, ici j'ai un champ qui s'appelle FME Feature Type Name, donc qui a le nom de la donnée. En cours de traitement, elle prend ces données. Et si j'ai fait attention, dans toute ma donnée, j'ai le même champ qui prend le même nom. Donc c'est là, ça me met de faire la relation entre quelle donnée a besoin de quel schéma lors de l'écriture. Donc, je l'appelle à ce niveau-là. Alors, si on visualise les résultats de ces données-là, on peut voir que l'écriture, ça c'est le résultat du fichier produit. Donc, on peut voir que le résultat, il récupère bien tous les attributs. Seul bémol, c'est qu'on ne peut pas choisir l'ordre des attributs. Donc, ici, par défaut, mes attributs vont être par ordre alphabétique. Okay. Et donc, jusqu'à là, comment opérer avec ce scanner? Pour son utilisation, donc, une utilisation, ce serait celle qu'on vient de voir, non? La récupération d'un schéma pour l'écriture en mode dynamique et aussi pour le contrôle qualité. Donc, ça nous permet que c'est un schéma. Donc, facilement, on peut par la suite et faire des contrôles pour voir si une couche est présente dans une donnée ou si une couche contient ou pas un certain attribut. Un autre transformer que je voulais vous présenter, c'est Couche Sprinter. Comme Margot vous a dit, c'est pas vraiment une nouveauté de FME 2020, mais c'est un transformer que nous, on a décidé de mettre à disposition. Il a été développé par nos soins. Et l'idée de ce transformer, elle naît suite à des projets qu'on a pu réaliser pour la ville de Megève, pour la production de plans pour les conventions de passage, et également avec l'IS-10-21 pour l'automatisation de la génération de plans parcellaires. Donc, suite à la présentation de ces deux projets à la conférence de l'année dernière, 2021, donc, et au retour qu'on a eu sur la conférence, donc on a décidé de le mettre à disposition de la communauté. Et ces transformers, ce qu'il permet de faire, c'est l'export des mises en page QGIS en PDF. Et bien sûr, pour fonctionner, le transformer, il a besoin d'avoir une installation QGIS dans la même machine où on exécute le traitement. Alors, on va voir comment il fonctionne. Si ici, on a une mise en page QGIS, et je vais voir qu'ici, elle s'appelle département layout. Ça, c'est moi que je décide de l'appeler comme ça. Et j'ai un objet carte principale qui s'appelle carte 1. D'accord? Donc, c'est le nom de layout et le nom de l'objet principal, de la carte principale. C'est des noms que je dois retenir car je vais les utiliser dans le paramétrage de mon transformer. Alors, le transformer, ce qu'il va faire, c'est qu'il va y avoir une entité en entrée avec une emprise et on va zoomer sur la carte principale avec cette emprise et on va l'exporter. Si on regarde avec FME, voir comment ça se passe. Donc ici, j'ai fait un traitement pour imprimer cette même mise en page que je vais vous présenter. Ici, je veux lire tous les départements. Je vais faire un filtre par un seul département. Donc ici, bon, j'ai choisi le Pyrénées-Oriental. Donc j'ai fait un simple testeur code département 66. Et donc ici, je veux que j'ai sprinter.
le paramétrage. Donc, d'un côté, je dois indiquer le dossier d'installation de QGIS. Donc, ici, simplement, c'est où je trouve l'installation QGIS. Ensuite, je vais indiquer le nom de mon projet QGIS. Donc, ça peut être ou bien l'extension QGIS ou QGIS. Ensuite, je vais indiquer le nom de mon layout. Donc, les deux noms que je veux déjà retenir. Département layout. Ensuite, le nom de l'objet carte, donc carte 1. Et je peux donner un nombre de sorties dans mon PDF. Dans ce cas-là, ce que j'ai fait, c'est @value, ça correspond à l'attribut nom département. Donc, comme ça, j'ai donné mon nom dynamique. De façon que n'importe quel département que je vais écrire, je vais donner en sortie le nom de département. OK. Donc, comme j'ai dit, ici, on va zoomer sur le pin oriental et on va retrouver le PDF. Ça, je viens de lancer juste avant pour ne pas perdre le temps. Donc, je peux bien vous montrer. Donc, en résultat, ce qu'on a, c'est la carte bien zoomée sur le pin oriental. Alors, par défaut, le fonctionnement de Transformers, c'est celle-ci. On a décidé de faire quelque chose de simple. Bien sûr, ça pourrait être, on aurait avoir des besoins un peu plus poussés, comme par exemple, ici, on n'a pas qu'une seule carte. Sinon, on va avoir aussi une carte de position. Donc, finalement, nous, on indiquait dans les paramétrages qu'on voulait zoomer sur cette carte. Peut-être qu'on a besoin de zoomer sur deux cartes. D'accord? Ou on pourrait en avoir trois, quatre, on pourrait avoir N, en fait. Et la même chose pour les textes. C'est ici, je suis figé parce que j'ai des demandeurs. Donc, on a voulu ajouter une utilisation de Transformer pour pouvoir modifier ces types d'éléments aussi. Donc, pouvoir zoomer sur d'autres cartes et pouvoir changer tous les textes présents dans la mise en page. Donc, pour faire ça, ce qu'il faut faire déjà, c'est retenir les noms de chaque objet. Donc ici, vente immobilière, c'est l'objet qui s'appelle titre. Je peux le trouver listé ici ou sinon ici dans l'ID de l'élément. Ici, celui-là, texte, je pourrais le modifier parce que je sais que c'est donc le titre 1. Et ensuite, certes, cette carte-là, on connaît déjà, c'est carte 1. Et j'ai aussi la deuxième carte de position qui s'appelle carte. Donc, imaginons que là, maintenant, je veux faire un export et je voudrais changer le titre et aussi les deux zooms. Donc, comment opérer? C'était un peu complexe d'introduire cette paramètre ici pour modifier N variables, en fait. Donc, ce qu'on a décidé, c'est passer par des attributs de forme. D'accord? Donc, je vais ajouter cette partie de traitement que j'ai déjà prêt. Et ce que je vais faire, c'est, pour gagner du temps, là, je vais essayer d'imprimer tous les départements qui se trouvent dans la région Occitanie. Donc, je change mon filtre. Si je vais au lieu de département, je vais prendre le nombre de régions et je vais prendre tous les départements de la région Occitanie. Et en plus, ce que je vais vouloir faire, c'est donner un titre avec le nombre de département et zoomer la carte de position aussi avec l'étendue de chacun des départements. Donc, tout d'abord, ce que j'ai fait, j'ai extrait la bande inbox de chacun des départements. Donc, ici, je vais créer les attributs X, Min, Max et Y aussi. Alors, comment faire pour définir les nouveaux textes? Donc, on a défini une notation qui commence toujours par QGIS. Ensuite, on va mettre le nombre de l'item et la propriété qu'on va changer. On a dit qu'on a deux propriétés. Ça peut être texte ou ça peut être extent. Donc, par exemple, si je vais changer mon titre, qui s'appelle les titres, hein, l'objet dans ma mise en page, donc je vais mettre QGIS. titre.texte et la valeur de l'attribut, je vais lui donner le texte que je veux. Pour l'étendue, on va opérer de la même façon. Je vais mettre QGIS, le nombre de l'item, c'était carte 2, et point .extend pour changer la propriété extend. Et ensuite, je vais donner les quatre coordonnées de ma bande inbox. Donc ici, j'ajoute un attribut de créateur et je crée bien ces deux attributs, donc comme je vous ai dit, avec un nom qui peut être dynamique. Donc je mets département, les codes de département, et la valeur du, avec le code département de points et le nombre de département. Et ensuite, pour la carte, pour l'étendue de la carte, j'utilise les attributs que j'ai créés avec les ventes extracteurs. Alors ici, si j'exécute, ça demande un peu, il y a plusieurs départements. Mais en fait, ce qu'on va faire, c'est générer les différents PDF, un des PDF pour chaque un des départements. On attend que le premier, là, il a été créé. Donc, on trouve déjà l'Ariège. Donc, on trouve bien que l'Ariège, on a zoomé bien sur la carte et on a déchangé le titre ici, donc département de l'Ariège. Et ici, c'est bien zoomé.
si j'ai fait attention, donc sur mon dossier, il y a au fur et à mesure toutes les dalles qui apparaissent. Donc, l'une des points forts de cet informer aussi, c'est pour l'impression des atlas, autant d'entités qu'on va envoyer, donc elles sont. Ça permet également de, si en amont de mon traitement, je peux créer une donnée ou modifier une donnée et par la suite l'imprimer. Si j'ai généré un shape qui est appelé par le projet QGIS, si j'ai les stocks dans mon répertoire, donc elle sera prise en compte pour l'export. Alors, ces transformers-là, déjà pour finir, il est disponible au téléchargement. Pour l'instant, il est disponible, vous devez passer par Vestor, il est disponible en version française. Et très prochainement, je pense que la semaine prochaine sera déjà fait. On va le mettre, mais déjà en version anglaise sur FME Hub. Et quand il sera dans FME Hub, donc vous allez pouvoir y accéder directement depuis FME Desktop. Vous savez, FME Desktop est câblé à FME Hub, donc il sera directement disponible sur FME Desktop. Sinon, la version française, vous pouvez dès aujourd'hui la récupérer déjà sur Vestor. Et merci pour votre attention. Jusqu'à là, la présentation de ces deux transformers. Margot, si je te redonne la parole. Merci Jordi. Toujours dans les transformers, donc là je vais vous parler donc non pas de nouveaux transformers, mais ce sont des transformers qui ont été revus en 2022. Esri Reprojector, hein, qui est le transformer de reprojection basé sur les grilles Esri, qui intègre cette année un nouveau paramètre, époque. Donc il va vous permettre de faire de la reprojection selon différentes variables temporelles, selon différentes périodes. Alors on avoue avoir du mal à trouver un exemple parlant en France. Les équipes de SAFE illustrent ce besoin avec la forte activité sismique qui se passe en Californie et qui pourrait expliquer des mouvements de plaques tectoniques, des rives continentales, et donc qui expliquerait ce besoin d'intégrer une variable temporelle pour faire de la reprojection d'entités. Deuxième transformer qui a été revu, alors en termes de performance, c'est le Clipper. Hein, il a été encore une fois, ses performances ont été sacrément optimisées. Et puis son interface aussi a été revue. Au revoir au port Clippy. Il s'appelle désormais Candidate. Donc pour un peu se rapprocher de la nomenclature des autres transformers, je sais par expérience que beaucoup d'entre nous ne savaient jamais qui était le Clippy, qui était le Clipper, qui était l'emporte-pièce, qui était l'entité à découper. Donc là c'est plus simple. Hein, le port Candidate est l'entité à découper, le port Clippy et le port Clipper et l'emporte-pièce. Avec aussi un nouveau paramètre qui va nous permettre de faciliter le travail de superposition lorsqu'on a des emporte-pièces qui se superposent. Voilà. D'autres transformers ont été donc améliorés. Donc le Clipper, je viens d'en parler. Alors le testeur, comme chaque année, hein, il est optimisé. Alors pour la petite anecdote, le testeur n'est plus le transformer numéro 1. Il a été détrôné par Attribute Manager. Mais en tout cas, il est deux fois plus rapide que les années passées. Le Tiler aussi, hein, donc l'outil de génération de tuiles, a sacrément été optimisé. Alors SAFE annonce encore des performances, des gains de performance tout à fait spectaculaires. Ils annoncent de 2 à 30 fois 1000 plus rapide. Et le Solid Dissolver, donc j'en ai parlé, il est plus rapide par rapport aux méthodes alternatives. Et puis, j'en ai également parlé, hein, tous ces transformers qui sont basés sur le traitement par lot, par paquet, vont permettre vraiment d'améliorer les performances à l'exécution de chacun de ces outils. FME 2022, c'est bien entendu des nouveaux formats. Alors, du côté de la lecture et de l'écriture, on dispose désormais du Reader Writers Unfolded qui va vous permettre d'accéder au studio web Unfolded, hein, qui est un studio qui va vous permettre de visualiser, mais aussi de faire de l'analyse spatiale, de données donc géospatiales. En lecture, en écriture, on a également le format FITS, qui est un format, alors je crois, un peu raster, métadonnées, je crois aussi qu'il supporte certaines tables. Donc FITS, c'est pour flexible, image, transport, système. Je crois que c'est un format qui est propre aux problématiques d'astronomie, validé par la NASA. Également, en lecture et en écriture, le COG. Alors, le COG, c'est pas un format à part entière. Ça veut dire Cloud Optimized GeoTIFF. Donc, c'est des options supplémentaires. Donc, en lecture de GeoTIFF, on va pouvoir lire des GeoTIFFs de type COG et on va pouvoir également générer des GeoTIFFs de type COG. Donc, ce sont des GeoTIFFs qui ont été optimisés, hein, au point de vue des pixels, toute une façon d'optimiser, de maximiser l'affichage de vos GeoTIFFs.
Du côté de la lecture et du côté des rasters, on a le format Targa. Le format Targa est donc le format raster, je crois, utilisé dans le monde de l'audiovisuel et de l'animation. En lecture, on a désormais le reader OGC CWS pour catalogue web service. Donc là, on va pouvoir accéder au catalogue des données de l'OGC. Et puis, en ce qui concerne le Data Inspector et ou la fenêtre de prévisualisation, on dispose désormais d'un nouveau type de carte de fond. C'est le format Precisely. D'autres formats ont été améliorés en 2022. Donc, le format MicroStation V8 a été amélioré et le format GeoConcept en 64 bits est lu et écrit avec la version FME 2022. Du côté du SQL Spatialite PostgreSQL, j'en ai parlé, ils disposent tous les deux de cette commande SQL Observes. Sachez également que pour le SQLite et Spatialite, on n'a plus qu'un seul reader. Là où les années passées, on en avait un dédié pour la partie spatiale et l'autre non spatiale, c'est simplifié, plus qu'un seul reader, on n'a pas à se poser la question de quel reader utiliser. Alors, j'ai presque fini. Un petit mot sur la traduction. Donc, nous avons sacrément avancé sur les ressources bêta fournies par SAFE. On attend là, ces jours-ci les ressources officielles. Donc, on va être très prochainement, on va être en capacité de vous livrer donc sur notre plateforme, vestor.rms.net, les deux exécutifs classiquement. Donc, un exec qui est plus léger que l'autre, qui va vous permettre de traduire toute l'interface de FME avec un accès à la traduction, à la documentation française qui sera en ligne, et sinon vous avez accès donc à un exécutable complet qui va traduire sur votre poste l'intégralité d'interface bien entendu et toute la documentation francisée. Alors, je vous remercie pour votre écoute, je vais répondre à vos questions bien entendu après l'intervention d'Olivier, mais tout de suite je vais passer la main donc à Alexandre Bizien qui va vous présenter les nouveautés de FME Server. Donc merci à tous et bonne conférence. Merci Margot, bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Lisien et comme à mon habitude, je vais vous présenter les nouveautés de FME Server 2022. Première nouveauté, tout d'abord, une nouvelle page, une nouvelle interface de statistiques sur FME Server. Cette nouvelle interface est nommée Server Analytics et celle-ci vous permet d'observer le nombre de traitements qui vont être exécutés sur votre FME Server sur des intervalles de temps donnés. Ceci va vous permettre donc de définir les tendances d'exécution et d'activité sur votre FME serveur et en fonction de ça, vous procéder à déterminer les moments de forte charge et les moments où vous devez peut-être allouer un peu plus de ressources ou de moteurs à votre FME serveur pour pouvoir supporter cette charge. Cette nouvelle page de statistiques, elle vient compléter donc les pages de statistiques qui étaient déjà présentes dans le dashboard. On a déjà un menu qui nous présente des statistiques d'utilisation de FME serveur, mais contrairement aux statistiques présentes dans le dashboard, qui sont générées quotidiennement, la génération des données de serveur analytics sont générées elles, en temps réel et dynamiquement en fonction de ce qu'on observe dans l'interface et de ce qui se passe sur FME serveur. Je vais vous montrer ça donc sur FME serveur. On se retrouve ici sur l'interface web de FME serveur. Et vous remarquerez peut-être à gauche, en dessous de Admin, un nouveau menu qui s'appelle Server Analytics. En cliquant dessus, j'arrive donc sur des graphes d'analyse de FME Server. Alors là, je suis sur une échelle de temps qui concerne aujourd'hui. On voit qu'il n'y a pas eu beaucoup d'exécutions de traitement aujourd'hui, mais si je change d'intervalle de temps et que je prends plutôt au mois, on voit qu'effectivement la courbe est plus intéressante et je perds notamment en début de mois une forte activité. On voit effectivement, en passant la souris dessus, qu'il y a eu plus de 600 traitements qui ont été exécutés dans la journée. Et je vais pouvoir zoomer dessus pour en savoir un peu plus. Donc, voilà, par exemple, heure par heure, on voit qu'à peu près entre 60 et 70 traitements par heure ont été exécutés dans la journée, dans cette journée de début de mois. Et je vais pouvoir zoomer encore une fois pour voir un peu plus en détail ce qui s'est passé, à quel moment des traitements ont été exécutés et à quel moment mes moteurs FME serveurs donc, ont été utilisés. Première fonctionnalité. Pour la suivante, celle-ci va plutôt concerner l'identification d'utilisateurs qui ont utilisé les Workspace App. Alors, les Workspace App, qu'est-ce que c'est? Je vous l'avais présenté lors d'une précédente conférence. Les Workspace App sont un moyen de mettre à disposition des traitements FME serveurs plus simplement à vos utilisateurs. Les utilisateurs n'ont plus besoin d'accéder à l'interface entière de FME serveur pour aller déclencher des traitements.
ce qui peut être parfois un peu pas compliqué, mais en tout cas qui cette interface qui donne beaucoup d'informations. Et Workspace App, elles sont très simplifiées, proposent seulement les paramètres d'exécution de votre traitement et permettent d'exécuter vos traitements directement. Le problème qu'il y avait donc avec les Workspace App, c'est qu'on ne pouvait pas identifier les utilisateurs qui les avaient utilisés. Ce qui pouvait poser problème, parce que si un traitement ne s'exécutait pas, et en tant qu'administrateur ou développeur du traitement, il est appréciable de savoir qui l'a exécuté, peut-être pour revenir vers lui plus tard, pour lui informer eh bien, que le traitement finalement a été corrigé, qu'il peut la réexécuter de nouveau, ou en tout cas le prévenir que c'est normal que ça ne fonctionne pas, et déterminer aussi le nombre d'utilisateurs, le cas d'utilisation des workspaces. Cette nouvelle fonctionnalité, vous le voyez ici, on rajoute une colonne dans l'interface de supervision des traitements qui ont été exécutés et qui va vous donner donc l'information des utilisateurs qui ont exécuté ces workspace apps. Simplement, pour que ça fonctionne, il vous faut que les workspace apps utilisent le système d'authentification, c'est-à-dire que vous ayez activé lors de la création d'un workspace app la demande d'authentification de l'utilisateur. Il faudra donc tout de même passer par la création d'utilisateur côté FME Server pour pouvoir les afficher. Dernière nouveauté pour cette année, c'est l'intégration de SAML 2.0. Alors, qu'est-ce que c'est SAML 2.0? C'est un protocole qui vous permet d'intégrer des systèmes d'authentification centralisés à votre FME Server et d'utiliser un système de SSO, Single Sign-On, pour se connecter à vos diverses applications. L'année dernière, déjà, Safe Software avait pousser, on va dire, les fonctionnalités de FME Server vis-à-vis des connecteurs à différentes Active Directory. Et bien cette année, voilà, ils poussent un peu plus loin en rajoutant le protocole SAML 2.0. Et avec ceci, plus besoin de login ou de mot de passe. Il suffit de cliquer sur le bouton Login with SAML pour se connecter à l'interface et être automatiquement identifié par votre système d'authentification. Voilà pour les nouveautés d'FME Server. Je voulais vous dire aussi que les deux dernières nouveautés que j'ai présentées sont des nouveautés qui ont été poussées par la communauté. Ce sont des idées, des suggestions de la communauté qui ont été publiées sur le forum de Safe Software et qui ont été qui subissent ainsi un système de vote et qui ont fini par atterrir ici. Donc, si vous avez des suggestions d'évolution de FME Server, n'hésitez pas à vous rendre sur le Nudge Center et publier vos propres idées. Je sais que notamment certains de nos clients étaient intéressés par la fonctionnalité précédente d'identification des utilisateurs pour les Workspace App. Donc voilà, n'hésitez pas à publier vos suggestions d'amélioration de FME Server. C'est tout pour moi. Je vous remercie de votre écoute. Merci Alexandre. Donc je vous retrouve pour vous parler de notre projet Data Connector, dont l'objectif est de simplifier l'accès aux données de base, on va dire, les données qui sont indispensables, sans doute utiles pour l'ensemble de la communauté des utilisateurs de FME. Il y a de plus en plus de données qui sont disponibles sous forme de données open data, donc sous forme de fichiers qu'on peut télécharger sur différents sites. Mais il y a également de plus en plus de données qui sont disponibles de manière dynamique sous la forme d'API, sous la forme de service web. Donc, c'est très bien, ces données sont accessibles, mais pour l'instant, plutôt réservées à des utilisateurs confirmés de type développeur, puisqu'il faut rentrer dans la programmation de requêtes HTTP, ce qui n'est pas forcément très, très simple. Donc, l'objectif de ce projet Data Connector, qui est un nom très, très générique, ce n'est pas un nom transformer. L'idée, c'est de demander à l'équipe de VRMS de produire régulièrement de nouveaux transformers qui vont permettre d'accéder très facilement à des sources de données, pour une fois qu'on considère particulièrement intéressantes. Alors, à ce jour, dans le catalogue, nous avons uniquement des données de l'INSEE et de l'IGN, mais nous travaillons en d'autres jeux de données qui sont publics, mais qui peuvent également être privés, qui pourront éventuellement être payants. Ce qui est sûr, c'est que les transformers eux-mêmes seront gratuits. C'est l'objectif de ce projet. Par contre, ils pourront faire appel à des ressources qui pourront être commercialisées par les fournisseurs de services.
Donc l'objectif, c'est que ce soit que ces transformeurs, ces ressources soient également pérennes. Ça veut dire qu'on s'engage, nous, au niveau de notre support technique, à assurer le support, la maintenance de ces transformeurs aux clients de VRMS. Donc ces ressources, vous allez pouvoir les retrouver sur notre site Store. Leur premier transformeur que je vais vous présenter aujourd'hui, qui s'appelle alors INSEE Sirène Établissement Connector. Désolé pour les noms rallonges, mais il va y avoir de plus en plus dans FME parce que comme il y a de plus en plus de transformeurs, il faut adopter des règles de nommage. Alors ce transformeur, il permet d'accéder aux données d'entreprise de la base Sirène de l'INSEE. Il faut pour cela ouvrir un compte qui est gratuit sur le site de l'INSEE pour récupérer des clés d'accès. Et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir accéder à une multitude d'informations vraiment très, très intéressantes sur, sur toutes les entreprises actuelles et passées qui ont existé en France depuis 1975. Donc, on va voir une démonstration d'un petit instant. Deuxième transformeur, lui, il s'appelle IGN Data Admin Express Connector. Il permet d'accéder au type d'entité de la base Admin Express de l'IGN, qui correspond aux limites administratives françaises. Voilà, alors compatible avec l'INSEE, oui, on verra tout à l'heure que ce n'est pas forcément tout à fait le cas. L'accès est libre, hein, donc il n'y a pas de souci côté IGN, pas besoin d'avoir une clé spécifique. Et donc, il va vous permettre, ce transformeur, d'accéder aux limites de départements, de régions, de communes et de PCI avec différentes fonctions de filtre. Voilà. Vous avions présenté l'année dernière avec l'IGN une suite de transformeurs qui s'appelle IGNF Connector. Donc, nous avons décidé d'intégrer, au moins dans la documentation, ces transformeurs dans le projet Data Connector qui est un peu plus large. Donc, l'année dernière, nous avons présenté trois transformeurs, Alticodeur, Attribut Alticodeur, Route Calculator. Nous l'avons complété cette année par un outil très intéressant qui est IGNF Isochrone, qui permet, comme son nom l'indique, de calculer des isochrones ou des isodistances autour d'un point. Nous avions promis un IGNF géocodeur pour cette année. Il semble que les services de l'IGN aient un petit peu de retard. Ça devrait arriver lors du second trimestre 2022, donc très, très rapidement. Ça fait partie de nos priorités. Dès que le service sera disponible en ligne côté IGN, nous l'intégrerons. Et puis, à venir aussi, je pense qu'il pourrait être intéressant d'intégrer des données de l'INSEE, non plus sur les entreprises, mais sur la population française, en exploitant les données du recensement. On attend vos retours par rapport à ça. Avant de passer à la démo, on est très intéressé par votre avis. Si vous avez des cas d'utilisation, des propositions d'amélioration, des suggestions de nouveautés, n'hésitez pas à nous écrire, à nous envoyer un petit message. Alors maintenant, la démo. Voilà, là, vous devez voir mon écran, je pense. Alors, j'ai déjà préparé un projet pour aller plus vite. Alors, comme ces transformeurs permettent d'accéder à des sources de données, pas besoin d'avoir des readers en entrée. Donc, on va utiliser, plutôt rechercher des données administratives avec le IGNF Data Admin Express Connector. Ce qu'il faut faire, c'est spécifier ici les types d'entités à extraire. Là, je vais récupérer toutes les demandes, toutes les identités. Ensuite, il faut soit spécifier une région, soit un département, donc c'est exclusif, c'est ou l'un ou l'autre, ou soit un code commun INSEE. Donc, il faut qu'il y ait un paramètre et un seul. Et là, je vais vous proposer une petite commune de Bretagne, 3584. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous avons ouvert en fin d'année dernière un établissement en Bretagne à Montauban des Bretagnes, en Bretagne. Et donc, ça nous donne l'occasion de vous présenter ce charmant village. Alors, c'est un petit peu long. On est dans le cadre d'un accès des données à distance.
Donc, c'est sans doute pas la solution pour avoir des données les plus rapides possibles, de manière rapide. Par contre, l'intérêt, c'est qu'elles sont vraiment fraîches, vous n'avez pas besoin de les stocker. Ce sont des données officielles. Voilà. Donc là, parmi les données qu'on a récupérées, on doit avoir ici, bon, ben là, c'est le département des Vilaines. Voilà. Ensuite, il y a un EPCI qui est là. Donc ça, c'est la région Bretagne, que j'enlève aussi. On va commencer par ça. Voilà, le PCI, Communauté de communes de Saint-Main-Montauban. Je vais enlever aussi. Et au final, on se retrouve avec le contour donc de la commune, les informations administratives, code d'initiative, etc. Deuxième transformeur. Qui est particulièrement riche, donc INSEE-Sirene établissement connector. Lui, il vous permet de récupérer donc beaucoup d'informations sur les entreprises selon différents critères. Alors, j'ai préparé le projet notamment parce que là, vous voyez, on est obligé de saisir des clés d'accès, encore une fois, qui sont gratuites, mais il faut vous inscrire sur le site de l'IGN, de l'INSEE. Donc, pour ça, normalement, si je ne dis pas de bêtises, on a une documentation qui vous explique tout en ligne. Voilà. Voilà, vous avez la documentation, y compris tout ce qu'il faut pour l'installation, y compris sur le site de l'INSEE. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce transformeur? Bon, si vous connaissez le nom, le code Sirene de l'entreprise, le code Sirene, vous pouvez le saisir pour avoir des informations, telles que l'adresse, l'activité, etc. Vous pouvez également saisir le nom de l'entreprise si vous le connaissez de manière exacte. Ou, de façon plus intéressant, la commune de l'établissement. Là, on va reprendre notre commune 35-184. Voilà. Il est souvent intéressant de se limiter aux établissements actifs. Et puis, vous pouvez spécifier une date de référence. Donc, par défaut, s'il n'y a rien indiqué, ben, on va interroger la date à ce jour-là. Voilà. Vous allez pouvoir spécifier une date et remonter dans le temps. Ça, c'est particulièrement intéressant pour faire calcul d'évolution, notamment des statistiques sur les communes. Vous devez spécifier un nombre maximal d'établissements à retourner. Donc, il n'y a pas de limite à ce niveau-là, sachant qu'il y a, un peu moins de 30 millions, si je ne dis pas de bêtises, d'établissements en France. Voilà, vous pouvez être large et mettre un très gros chiffre. Enfin, comme ça, vous n'aurez pas de limitation. Il est également possible, plutôt que de récupérer l'intégralité des informations sur toutes les entreprises, de récupérer uniquement le nombre d'établissements dans la commune. Ça vous permet sûr d'aller beaucoup plus vite. Fonction du type de besoin que vous avez, ça peut être intéressant. Là, voilà, je vais lancer le traitement. Donc là, on va aller envoyer une requête à l'API Sirene. Et vous voyez, là, on est en train de récupérer tout un tas d'informations. Alors, informations qui est non géographique, c'est purement un truc. Là, j'ai pris un établissement au hasard. C'est la commune de Bretagne. Là, c'est une école primaire. Voilà, Loire Entrepôt Transport. Ça, c'est pas confidentiel, là, c'est public, donc je peux vous le montrer. Essayer des arabes, etc. Alors, non seulement vous avez le nom, mais vous avez aussi l'adresse. Notamment, on propose un champ qui a été calculé qui s'appelle adresse complète, qui permet de faire du géocodage très facilement. Et quand on disposera d'un bel, beau composant IGNF géocodeur, on va pouvoir récupérer la géométrie de ces adresses. Vous avez aussi accès donc au nombre d'employés, secteurs d'activité, etc. Ça sont des données de l'INSEE qui sont particulièrement intéressantes. Il est possible de filtrer, de multiplier les filtres. Là, si je mets des RMS là, je pense que je vais faire une requête, non seulement sur cette commune, mais uniquement sur le nom de l'établissement. Alors,
il est intéressant si vous voulez extraire des gros volumes de données, par exemple sur une région ou un département, de lier les différents transformers. Par exemple, dans cette figure, si vous voulez récupérer toutes les entreprises de Ille-et-Vilaine ou de n'importe quel département, on pourrait faire, par exemple, où on va demander ici le département du Doubs, on va changer un petit peu, code commune, voilà, donc là, je demande à récupérer uniquement les communes du département du Doubs. Et je vais utiliser ces informations-là ici. Voilà. À la place de commune de l'établissement, je vais utiliser la valeur de l'attribut. Et donc, ce traitement permet de faire très simplement une boucle sur l'intégralité des communes d'un département. Sachant qu'on gère également les limites d'accès, les quotas d'accès à l'API de l'INSEE qui nous limite à une trentaine de requêtes par minute, si je dis pas de bêtises. Donc ça, c'est totalement géré, ce qui fait que le temps de traitement peut être relativement long si vous avez beaucoup de demandes, mais dans tous les cas, vous allez pouvoir récupérer l'information, ce qui est quand même logique. Bon, on va attaquer tout de suite avec des questions concernant la première partie de la matinée. Question de Marion, est-ce que la fonction de comparaison peut fonctionner avec des projets Workbench qui sont antérieurs à la version 2022 ? Question plutôt pour Margot, peut-être ou... Oui. Alors oui, j'ai procédé à ce test. Effectivement, on peut comparer des versions 2021-2022. Moi, j'ai fait une comparaison comme ça. Le projet initial était ouvert en 2022 et j'ai pu comparer avec un projet conçu en 2021 avec exactement les mêmes fonctionnalités. J'ai pas fait le process inverse, en revanche. Okay. Il faudrait que je procède. Autre question, est-ce que ça fonctionne avec des transformers personnalisés? Alors, non testé, mais j'imagine que oui, je ne l'ai pas testé. Je ne sais pas si mes collègues peuvent me répondre. Okay. Ouais. Bon, honnêtement, c'est tout chaud. Hein. Nous-mêmes, on l'a très peu utilisé. Donc, c'est clairement un outil qui va devoir faire ses preuves. Et avant de se lancer dans un développement avec plusieurs personnes sur le même projet, je pense qu'il faut être assez prudent et attendre un petit peu peut-être. Peut-être notifier que c'est de la tech preview, hein. Donc encore de la présentation, en plus. On va dire bêta de la fonctionnalité. Et merci. Autre question, est-ce qu'il y a un système de versionning qui est prévu, qui est associé à ou est envisagé? C'est pas une solution de versionning. Alors, c'est vrai qu'il l'avait envisagé, je crois, avant, mais actuellement c'est pas le cas. Hein. On va pas gérer les versions. Il y a pas de système de branches. On va juste comparer des deltas, mais il y a pas de système de version, de gestion des versions. Concernant le mode Upsert, Anthony nous demande comment réagit FME avec le mode Upsert en termes de temps de traitement par rapport au classique update et insert. Alors, moi, je l'ai pas testé sur des gros volumes, des très gros volumes. En tout cas, sur les antennes dont je vous parlais, je crois que j'avais à peu près 10 000 antennes, donc ce qui est pas énorme. Mais moi, j'ai vu strictement aucune différence. Hein, c'est côté base de données que ça s'opère. La seule différence qu'on voit, c'est qu'on se fait l'économie de ce chain detector. Hein, donc, on a quand même à ce niveau-là un gain évident. Mais après, au niveau du chargement en base, à partir de, alors je sais pas, Olivier, je te vois tiquer, mais Ouais. Moi, je pense que c'est important, effectivement. Ouais. Que la différence est importante. Oui, alors c'est vrai que toi, tu as parlé de change detector. En fait, il y a d'autres techniques qui permettent souvent de, mais qui reviennent. Dans tous les cas, il faut demander à la base de données. Il faut savoir si l'enregistrement existe déjà ou pas. Et donc, là, il y a quand même un sacré gain avec la démo que tu as montrée, puisqu'elle permet d'éviter de lire complètement la source de données. Donc, je pense que ça me semble évident
il devrait y avoir un gain à la fois en termes de conception, comme tu l'as dit, puis en termes d'exécution. Ok, Monsieur Dubitch qui nous demande le mode cert est-il compatible avec ArcGIS Online? Alors là encore non testé. Avec le je l'ai pas testé, mais a priori pour l'instant hein, on n'est que sur des solutions PostgreSQL, CKAN et comme je vous l'ai dit SQLite, Spatialite. Merci. Alors, on a eu pas mal de commentaires sur les 32 bits. Apparemment, l'application ISOGEO semblerait ne fonctionner que sur les 32 bits. Donc, ça, c'est vraiment important pour nous. Il faut qu'on vérifie de notre côté. Il y a pas mal d'utilisateurs, finalement, qui utilisent les deux, 32 et 64 bits. Donc, dans ce cas-là, revenez vers nous, vers le support. Notamment, on a une question de Thierry qui nous pose la question du chargement de l'utilisation de FME pour écrire dans des bases access en 64 bits. Moi, il me semble que c'est possible. Il me semble avoir fait ça il y a quelques temps, mais c'est plutôt une question de support. On vous répondra directement dans le chat. Je pense que le support va pouvoir regarder directement. Je suis plutôt optimiste par rapport à ça. Est-il possible d'avoir les deux versions, donc 32 et 64 bits, sur une même machine? Oui, tout à fait. On peut faire cohabiter deux versions différentes sans souci. Okay. Pour Solid Dissolver, on a une question peut-être concernant les performances, mais donc je pense que tu as répondu. Hein. Ok. Et sur la gestion des exceptions? Mais ça, il faudrait en savoir plus, donc c'est plus une question relative au support. Schéma scanner, n'était-il pas déjà dans FME 2021 Jordi? Oui, en effet. En fait, il est apparu en tech prévu en 2021.1. Sauf que là, c'est la sortie officielle, c'est pour la version 2022, donc c'est maintenant que c'est présenté. Mais en effet, il était disponible. Il y a un peu le paramétrage, il a évolué un petit peu. Donc, il a été revu. Et là, c'est la sortie officielle. Okay. Autre question sur schéma scanner, est-il utilisable avec tous les types de fichiers et de données? Et oui, tout à fait. Oui, on peut toujours l'utiliser dans le code de traitement pour écrire dans n'importe quel format. Oui. Jordi, c'est encore pour toi, je pense, puisque là, on commence à parler de QGIS. Prévoyez-vous d'intégrer les fonctionnalités avancées d'export QGIS? Ah oui, c'est avec Attribute Creator dans QGIS Printer. Oui, ça serait compliqué, en fait, parce que, comme j'ai montré dans la présentation, il peut y avoir N texte à modifier et N prise à modifier. Donc, il faudrait mettre autant de paramètres qu'objets j'ai à modifier. Donc, sinon, bon, on pourrait faire des concaténations, mais ça, on trouve que ça serait beaucoup plus compliqué au paramétrage. C'est pour ça qu'on a beaucoup réfléchi à ça. Et c'est pour ça qu'on a opté pour l'utilisation de ces attributs de format que j'appelais comme ça. OK. Alors, on a eu pas mal de remarques par rapport à QGIS et aux fonctions Atlas de QGIS. Et donc, qui se résume en gros, quel est vraiment l'avantage d'utiliser FME par rapport aux Atlas de QGIS? En fait, déjà, bon, je me vois beaucoup, hein, mais déjà intégré dans l'automatisation de nos traitements, l'impression. D'accord? Donc, en fait, on peut automatiser depuis les traitements, depuis la génération des données, et ensuite imprimer la donnée. Et faire des exports PDF avec FME, c'est pas simple. Donc, on peut aussi servir de QGIS pour le faire. En plus, c'est vrai qu'il y a le mot Atlas sur QGIS, mais avec FME, on pourrait créer, nous, l'Atlas en amont de l'impression. Donc, sur l'exécution de traitement, on peut générer l'Atlas ou filtrer, de dire quelle dalle on peut imprimer. Donc, tout ça, on peut le prévoir dans l'automatisation. Et en plus, comme j'ai dit, donc, si nous, on appelle QGIS, notre projet QGIS appelle en base Postgres ou en fichier Shape, nous, on peut modifier cette donnée
avant l'impression. Donc, on intègre l'export dans le même flux que je modifie ma donnée. OK. Merci. Donc, si je comprends bien, c'est, pour toi, c'est à la fois un moyen d'automatiser ce que faire avec QGIS, mais aussi c'est un moyen d'améliorer FME. Donc, c'est une fonctionnalité supplémentaire, puisque tu dis, grâce à cette fonction, on peut faire de l'impression facilement, génération de PDF avec FME en utilisant QGIS. Oui, on peut quand même la faire avec FME. Moi, je pense que faire une mise à page QGIS, c'est peut-être plus simple. Un moyen détourné, d'accord. Oui. OK. Fonctionne-t-il avec des projets QGIS enregistrés en base de données ? Je n'ai pas compris ce que c'était. Est-ce que tu vois de quoi il s'agit ? Que la donnée est en base de données Ah oui, je ne vois pas ce que ça pourrait être, mais oui, tout à fait. En fait, le fichier QGIS, il faut qu'il existe, il peut appeler n'importe quelle donnée. OK. Alors, QGIS Printer peut-il générer du PDF multicouche et du GeoPDF? Ça, je ne sais pas y répondre, parce que c'est vraiment l'export que QGIS fait. Oui. Donc, si QGIS l'a fait, il devrait pouvoir. Mais je ne sais pas y répondre. Je ne connais pas aussi bien l'export PDF de QGIS. Désolé. OK. Et concernant les performances, est-ce que c'est vraiment à l'avantage? Il y a plusieurs questions par rapport à ça. Question ou affirmation sur le fait que ce serait plus intéressant de passer par FME, mais c'est que ça l'intérêt. Oui, non, au niveau des performances, c'est l'automatisation, hein, l'avantage. La performance, en fait, finalement, le traitement, il va ouvrir en arrière-plan, il va ouvrir les projets QGIS. Donc, finalement, le temps de traitement, la performance, elle n'est pas non plus excellente parce que le même traitement FME ouvre QGIS, fait l'export et ferme QGIS. Donc, les performances, c'est pas l'objectif de Transformer. En quelle version a été développé QGIS Printer? On me demande si ça peut fonctionner avec FME 2021. C'est Quentin qui demande. Oui, ça a été développé 2019.1. Donc, à partir de 19.1, on peut l'utiliser. Thomas nous demande si on pourra utiliser QGIS Printer sur FME Server. A priori, je n'ai pas testé, mais je ne vois pas le souci. Il faudra installer QGIS sur le serveur et publier les projets QGIS pour les utiliser. Mais je ne vois pas. Je vois pas ça devrait fonctionner. OK. Y a-t-il un transformeur de geocodage prévu pour être utilisé avec les données de la base adresse nationale? Alors, peut-être qu'on peut faire un petit historique. Nous, on avait publié un transformer il y a quelques années. Il était disponible sur Vstore, qu'on a enlevé hier, je crois, qui permettait de faire du geocodage à partir de la base nationale adresse et des données d'IGN. Je crois qu'il y a une partie des fonctionnalités qui ne fonctionne plus. Jordi, tu peux peut-être en parler. Oui, tout à fait. En fait, ce qui se passe, c'est que le geocoder et geocoder Amberx qui étaient disponibles, en fait, ils utilisaient le service de l'IGN et le BAN. Donc, le BAN fonctionne, mais pas la partie IGN. Donc, aujourd'hui, on peut l'utiliser, mais uniquement avec la BAN. La partie base d'adresse nationale. Ouais. OK. Ouais. À part qu'on l'a enlevé de Vstore. Parce que très rapidement, on va avoir GNF Geocoder qui va nous permettre de répondre à ces besoins. On travaille aussi, on a en bêta un TomTom Geocoder qui fait du geocodage, comme son nom l'indique, à partir des services des API de TomTom. Alors ça, question que je n'ai pas compris, donc je ne permettrai de pas la poser, excusez-moi. Les connecteurs gèrent-ils la pagination des résultats? Ah oui, donc c'est Frédéric qui nous demande ça. Eh bien oui, en fait, on a répondu, je pense qu'avoir répondu
À la fin de mon intervention, effectivement, alors on n'a pas vu. Si, alors il y a des limites, excusez-moi, au niveau des services de l'hygiène, qui font par exemple qu'on ne peut pas fournir les résultats sur la France entière. On est obligé de découper la requête. Et le niveau minimum de requête, c'est la région. Donc, vous pouvez avoir tous les EPCI, toutes les communes d'une région. Mais au-delà, on dépasse le quota de données qu'on peut extraire à partir des données de l'IGED. Même chose côté INSEE, à part que côté INSEE permet de gérer de la pagination. Et donc, on récupère, en fait, techniquement, on récupère les données par paquet de 1000, mais on peut en récupérer un très, très gros volume. Et donc, Kylian, qui travaille là-dessus, a fait des tests, a pu récupérer des millions de données. Et il y a une problématique de volume, il y a une problématique également de nombre de requêtes par minute qu'on a pu gérer aussi, en tout cas qu'on s'engage à gérer. Alors, il y a d'autres améliorations possibles également, on peut envisager, mais on va attendre les retours des utilisateurs avant de se lancer. Alors, IGNF Data Admin Express Connector sur la version millésinée, mais il y en a plusieurs. Il y a une meilleure version Admin Express Cog ou courant d'Admin Express. Effectivement, il y a des subtilités là-dedans. Il faut qu'on complète la documentation par rapport à ça. Il faut que je réponde à la documentation. En fait, il y a plusieurs versions de la base Admin Express de l'IGN. Voilà, je ne peux pas en dire beaucoup plus pour l'instant. Le data connector à l'INSEE permet-il de charger la donnée brute entière de l'INSEE, sachant que l'INSEE limite le chargement par paquet? Ben bon, excusez-moi. Ok, donc je viens de répondre. Ok, donc ça, normalement, ça, c'est bon. Dis-moi. Olivier, je me permets, je vois qu'il y a des remarques comme quoi on peut, en effet, stocker des projets QGIS sur Postgres. Donc ça, c'est une D'accord. fonctionnalité que moi, personnellement, je ne connaissais pas. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas si on peut les appeler. C'est quelque chose qu'on va vérifier. C'est un peu facilement l'intégrer. Donc ça, c'est intégré. Mais c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas. Ok. Est-il possible d'appliquer un buffer pour ne pas limiter l'export à la zone d'extraction stricte dans le transformer IGN? En fait, toutes les requêtes qu'on fait dans les deux transformers qu'on vous a présentés ce matin ne sont pas du tout géographiques. On récupère de l'information géographique, mais les requêtes elles-mêmes ne sont pas géographiques. Il n'y a pas possibilité de... d'étendre ou de diminuer cette géométrie avec un buffer. Excusez-moi, je découvre les réponses en même temps, en plusieurs casquettes. Des questions sur les GNF géocodeurs à venir, mais là, je ne peux pas vous répondre tant qu'on n'a pas encore eu les spécifications de la part de l'IGN. Alors, les modèles physiques des données, l'IGN et l'INSEE changent souvent. Comment gérez-vous ça? Pour l'instant, on ne gère pas. On vous propose cet outil. Il y a des petits problèmes qu'on a pu observer. Alors, entre l'IGN et l'INSEE, je ne vais jeter la pierre sur personne, mais dans la petite démo que je vous ai faite, on part des données de l'IGN pour aller rechercher des données dans la base de l'INSEE. Donc ça marche très bien en général, sauf pour Paris, Lyon et Marseille, parce que ce que considère comme commune l'IGN, c'est la commune globale de Paris, donc code INSEE 75056, et ce qu'attend l'INSEE, c'est le code INSEE d'un arrondissement, donc 75, 101, 102, 103. Donc, il y a des petites adaptations à faire. Je pense qu'on n'arrivera pas à faire bouger de notre côté l'IGN et l'INSEE. Et donc, c'est plus au niveau du code interne qu'on va essayer de sans doute multiplier les requêtes au niveau de l'API de l'INSEE pour que l'utilisateur puisse faire une requête sur la commune globale. Et puis, nous, on va se débrouiller pour faire des sous-requêtes ensuite, arrondissement par arrondissement.